cette nouvelle vidéo. Oui, nous sommes lundi. Bon, aujourd'hui. Macro pense midi. Oh, elle en peut plus avec ses macros. Alors, il faut que j'aille acheter du pain. Donc, je trouve une boulangerie ouverte. Parce que j'ai acheté des macros et en fait, les enfants ont absolument envie de les manger. Hier soir, nous n'avions pas de pain et moi, je ne mange pas de macros sans pain. Voilà. Moi, je mange sans pain. Oui, toi. Moi et moi. Moi, toujours moi. Mais aujourd'hui, c'est moi et moi. Donc, c'est moi qui décide. Et je vais acheter du pain. C'est pénible, ton pain. Donc, nous nous apprêtons, quand Elsa aura gentiment terminé de déjeuner. À déjeuner, plutôt. Oui, c'est mieux. Et ensuite, voilà, je vais emmener les enfants. Enfin, on va se préparer et j'emmènerai les enfants à l'école. Ensuite, je vais aller chercher du pain. Et puis, ce matin, je vais faire un petit peu de ménage parce que ce week-end, j'ai essayé d'en faire un petit peu, mais les enfants sont déjà rentrés une demi-heure plus tôt que prévu. Donc, en fait, j'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé parce que clairement, je vais être honnête, je prenais mon temps, en fait, du fait qu'il me restait encore une demi-heure. Sauf que du coup, j'ai pas eu ma demi-heure. Elsa, elle trouve des excuses en fait, parce que ça ne lui convient pas de manger des crocodiles au petit-déj. Mademoiselle, elle aimerait avoir de la brioche, des céréales, des gâteaux. Non, les céréales, moi, ça ne me dérange pas. Juste les gâteaux. Ben ouais, sauf que les gâteaux, c'est pour le goûter, c'est pas pour le petit-déj. Moi, j'essaye de limiter en fait le sucre et le beurre au petit-déjeuner. Donc, je sais qu'il y en a qui mangent du Nutella le matin, etc. Mais non, quoi. Non. Dès le matin, se gaver de graisse et de sucre, c'est juste pas possible. Déjà, on prend du chocolat chaud, déjà, c'est hyper sucré. Avec du lait, c'est hyper gras. On va pas se rajouter des trucs. Enfin, c'est... Je vois pas l'intérêt, en fait, personnellement. Donc, déjà, je leur autorise les cracottes alors qu'on met du beurre dessus. C'est quand même... Je vais finir par vous donner que des fruits le matin. Des bananes, moi, je veux bien. Moi aussi, mais que des bananes. Voilà. Ah non, et des fraises. Oh non, et des raisins. Et moi, des pâtes. Des pâtes au petit-déj. Bah écoute, on va y songer. Oh non, des œufs s'il te plaît, des œufs sur le plat. Oh non, c'est dégoûtant. Ah non, les œufs pas sur le plat, les œufs en omelette le matin, c'est. Non, les œufs. Du bacon et des tomates. Oh, ouais, on ça au petit-déj, tout le temps. On va se la faire à l'américaine. Ouais. Bon allez, on s'active au petit-déj parce qu'il est déjà 7h46 et concrètement à 8h05 au plus tard, il faut qu'on se revoie à la salle de bain en train de s'arrêter. Attends, il est même pas. Ici, il est là, il est à côté. C'est juste qu'il voulait pas. Bon, je vous reprends de ma salle de bain, plus précisément de mon armoire, puisque j'ai fait du... j'ai fait du tri. Tout est relatif. Je fais du tri dans l'armoire de Côme, donc qui est celle-ci. Donc, on voit pas bien, ça manque de lumière. Ici, il a ses pantalons, ses shorts. Ici, il a ses pulls, mais je pense que je vais en retirer deux parce que je crois qu'ils sont trop petits. Ses t-shirts manches longues, ses t-shirts manches courtes. Et ici, là, ses maillots de Corse, caleçons et chaussettes. Ouais, effectivement, je crois qu'il a... je vais pas dire de bêtises, mais je crois que celui-là, il est trop petit et celui qui est en bas aussi, donc... À voir. Du coup, en bas, ce sont les pyjamas. Ça, c'est l'étagère d'Elsa avec ses pantalons, pulls et en noir. Là, c'est sa robe de pour aller à l'église. D'ailleurs, il faut que j'en achète une deuxième parce que ça fait juste une seule. Ici, ce sont ses hauts à manches longues et manches courtes, ses sous-vêtements et les chaussettes et caleçons de Marceau. Ici, c'est l'étagère de Marceau. Donc, l'étagère de pulls, il faut clairement que je fasse du tri. L'étagère de pantalons, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai absolument pas besoin d'acheter des pantalons à Marceau, tout va bien. Ici, il a t-shirt manches courtes, au fond, on a les manches longues, on a là les shorts, et puis ensuite, on a le côté Adam. Cette armoire, elle grince beaucoup, elle s'en va, je ne la garde pas. Donc pareil, un pull, veste, sweat, machin, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte, caleçon, maillot de corps, chaussettes, et en bas, pantalon et short. Donc j'ai fait du tri, j'avais des cartons en fait, alors vous voyez là-bas dans le couloir, vous avez un carton et un sac, c'était rempli de vêtements, et il y avait également ce carton-là qui était rempli de vêtements, et j'ai fait du tri et j'ai gardé uniquement ce carton-là. Donc ce carton contient...
la doudoune de l'hiver prochain pour Marceau. Ensuite, ça contient, enfin si elle lui va encore à ce moment-là, parce que je ne sais pas comment il aura grandi, mais je la garde en tout cas au cas où. Il y a tout le 4 ans, donc qui est la prochaine garde-robe de Marceau. Il y a tout le 7 ans, qui est la prochaine garde-robe d'Adam. Et tout le 10 ans, qui est la prochaine garde-robe de Côme. Donc je ne m'inquiète pas. Je pense que là, les trois gars sont habillés. Donc concrètement, à part racheter des pantalons, parce que effectivement, dans ces garde-robes là, il n'y a pas de pantalons. À part des survêtements éventuellement, mais il doit y en avoir peut-être un chacun. Donc je vais quand même devoir leur racheter des pantalons, mais c'est tout. Bon là, c'est mon panier de linge sale, hein, donc rien à voir. Ça, c'est une partie de ce que je vais donner aux associations. La deuxième partie étant ici. Voilà. Donc il faut que je prépare un sac et que j'emmène ça dans les... On dit, on doit pas dire une benne. Je sais pas comment on dit ça. Dans les containers. C'est ça. Les containers de recyclage. Et là, je dois vérifier ce que j'ai dans ce carton-là, qui sont en fait des vêtements normalement pour Elsa, mais qu'elle ne veut pas porter. Donc je pense que je vais en faire don également, puisque mademoiselle est très difficile. Et bon, c'est une fille, donc effectivement, le look est très important. Les garçons, je ne me pose pas cette question parce qu'en fait, ils s'en moquent, mais totalement. Mais Elsa, c'est vrai qu'elle elle est coquette, donc elle fait attention à ce qu'elle porte. Ah oui, j'ai aussi ces petites sandales, là, que j'ai récupérées. Bon, c'est du 27, hein, donc clairement, Marceau étant à peine 23, il n'est pas là de les porter. Mais je vais demander à Adam de les essayer parce que je crois qu'Adam fait du 27. Donc si ça peut dépanner. Bon, en tout cas, je vais les garder. Hein. Je me dis, même pour Marceau, même si c'est plus tard, peut-être qu'il les utilisera. Du coup, j'ai du boulot quand même. Hein. Donc, je vais m'activer. Je vais faire le carton d'Elsa, là, mais je pense que je vais tout virer. Et puis, je vais juste... Mais je crois que la veste en jean, elle l'avait essayée. Elle n'en voulait pas. L'autre veste, c'était pareil. Donc, ouais, non, je pense que je vais tout virer. Et puis, du coup, bah, il me reste un seul carton pour tout le stock de vêtements. Je suis très contente. Et ensuite, moi, je pourrais, m'occuper du nettoyage. Alors, je vais essayer. Donc, je vais descendre tout ça. Hop là. Là, 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 là. Bon, vous allez me dire, mais tu ne devais pas faire des cartons ? Si, normalement, je devais faire des cartons. Bon, en même temps, j'y ai contribué un petit peu parce que du coup, maintenant que tout est rangé, je vais pouvoir mieux paqueter. Mais c'est surtout que, avant de... En fait, comme je donne mon armoire, je dois vider mon armoire techniquement. Du coup, il faut que je fasse le tri des vêtements avant de vider l'armoire pour la donner. Donc maintenant que le tri est fait, je vais pouvoir, d'ailleurs, je suis en train de penser. Demain matin, je vais voir ma copine Emmeline. Et pour mon dernier déménagement, elle m'avait prêté 4 valises, dont 2 qui étaient super grandes. Je me dis peut-être que je pourrais lui redemander, vu que j'y vais demain matin, ce serait l'occasion. Je pourrais lui redemander qu'elle me les prête. Comme ça, je pourrais à l'avance vider les armoires dans les valises. Et on se servirait, du coup, parce que je... L'armoire, je crois qu'elle part la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que c'est ça. Elle part la semaine prochaine. Du coup, concrètement, ça pourrait être pas mal. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander ça. Parce que du coup, ça pourrait bien me dépanner pour ranger les vêtements des enfants en attendant. Du coup, je trouve que les valises, c'est quand même plus pratique qu'un carton parce que c'est moins profond. Donc du coup, on n'étale pas, on range pas de la même façon. Et comme ça, on pourra utiliser jusqu'à... Je pourrais faire pareil que dans l'armoire, les pantalons, les t-shirts manches courtes, les manches longues, les machins. Et puis comme ça, on pourra continuer à s'organiser correctement jusqu'à ce qu'on parte. En sachant qu'il faut absolument que j'arrive à boucler mon linge avant de partir. J'aimerais bien. Après, je ne compte pas partir avec 0 linge sale. Hein. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas, avec le moins de linge possible, ce serait pratique. Donc, il faut que je voie ça.
Bon, du coup, je vais aller récupérer dans le linge que j'ai préparé là-haut. J'avais mis mon imper, enfin, je sais pas comment on dit, mon coupe-vent que j'avais acheté chez Decathlon il y a quelques années, qui me serre atrocement au niveau du ventre. Mais là, vu le temps qu'il fait, c'est pour ça que je l'avais mis à virer. Mais là, vu le temps qu'il fait, je vais le mettre. Donc, je pense que je vais le garder un petit peu plus longtemps, en fait. Bon, comment vous dire que je suis un boulet? Oui, vous voyez bien, j'ai un trait de feutre vert sur mon t-shirt. Et c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris mon stabilo à l'envers. Et puis, je faisais comme ça, avec ma main. Puis là... Voilà, donc j'espère que je vais réussir à le détacher. Et autrement, je suis un boulet parce que à la rentrée, je me suis engagée dans l'association des parents d'élèves à l'école de mes enfants. Et que, en fait, à aucun moment, je ne me suis imaginée que 3 mois après, en gros, je ne serais plus disponible pour y participer, étant donné la séparation. Maintenant, j'essaye quand même de les aider du mieux que je peux quand ils ont besoin d'aide. Et là, en l'occurrence, ce midi, on m'a remis une pochette avec des... En fait, le soir de la kermesse, il va y avoir un repas. Et du coup, on propose à tous les habitants de la commune d'y assister, en fait. Donc, on dépose dans les boîtes aux lettres des bordereaux, des bons de réservation, en fait, pour les repas. Et donc, on m'a donné une pochette avec, je ne sais plus, 15 feuilles, je crois, dedans. Et puis, une liste, en fait, avec des adresses, etc. Alors, il y avait juste marqué mon nom dessus. Mais honnêtement, je ne savais pas ce que je devais faire. Donc moi, j'ai pris la liste et je me suis fait un itinéraire en me disant « Voilà, je dois aller là, je dois aller là, je dois aller là. Où est-ce que je vais en premier ?» Machin, tout ça. J'ai imprimé un plan avec les rues surlignées, machin. Enfin, du travail de randonneur presque. Hein, du grand n'importe quoi. Et toute l'après-midi, j'ai cherché... des adresses en fait, mais dans les campagnes perdues, les agriculteurs au fin fond des campagnes. Je me dis, mais attends, c'est quand même fou qu'on m'envoie ici, moi qui connais pas la Tour Landry, pourquoi Et je comprenais pas, et je me disais, mais c'est quand même fou. Enfin, puis limite, je bouillais intérieurement parce que en fait, j'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait, et du coup, ça me frustrait. Enfin, j'avais l'impression d'être inutile, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon. J'ai déposé 5 bons, en fait. Et à 4h30, j'étais devant l'école. Du coup, j'étais à l'heure. Et j'ai déposé, en fait... Enfin, non, je suis allée chercher, pardon, les enfants à l'école. Et du coup, le fait d'aller chercher les enfants à l'école, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour aller voir la directrice, en fait. Du coup, je suis allée voir la directrice et je lui demande... est-ce que je devais faire toute la liste? Et là, elle me dit, mais... vous ne deviez pas faire la liste. Je dis, mais alors elle sert à quoi la liste? Elle me dit, bah justement, c'était en gros, c'était la blacklist en fait. C'était là qu'il fallait pas aller, quoi. Heureusement que j'en ai déposé que 5. Alors, elle me dit, mais non, mais c'était expliqué et tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que on a déjà fait ce genre de distribution pour une vente de foie, ce qu'on avait effectué il y a déjà quelques mois. Et mes enfants étant tellement rigoureux, Elsa, en fait, m'a remis la pochette à distribuer 3 jours après la date de distribution, en fait. Donc, cette pochette, je ne l'ai pas conservée, évidemment. Et je pense que dedans, il y avait, en fait, le plan qui me concernait avec... en fait, il y avait toutes les explications. Donc, la directrice m'a dit, mais non, mais c'était expliqué dans le mail, tout ça. Et en fait, non, j'ai vérifié, c'était pas dans le mail. Mais j'ai souvenir que dans la pochette que j'avais eue au moment des foisses, il y avait effectivement un plan dedans. Et du coup, à mon avis, les explications, elles étaient dessus. Sauf que moi, j'ai plus ce plan. Donc, ça va, la directrice m'a dit, mais non, vous devez faire le petit quartier qui est autour de chez vous, machin, tout ça. Donc, du coup... je vais aller, là, vu que maintenant, il fait beau. Vous voyez, ce matin, je disais, oui, vu la pluie, on n'aura sûrement pas de beau temps aujourd'hui. Bah si, il fait grand soleil, on crève de chaleur, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va aller faire un petit tour avec les enfants, là, dans les 2-3 rues autour. Puis, je vais distribuer les 10 bons qui me restent dans les maisons où je sais que ce ne sont pas des parents d'école qui habitent là.
Et puis, déjà, ça va nous faire une petite sortie. Et puis, comme ça, ce sera fait. Voilà, parce qu'il fallait absolument que ce soit fait aujourd'hui. Donc, regarde comment ils font. Je comprends pas très bien ce que tu es en train de faire, Marceau, là. Et toi, tu marches dedans, normal. Bah non, parce que tu regardes pas, en fait. Non ? Alors, tu vas tout de suite dans la cuisine. Non, je t'en fais ma boue. Marceau, en fait, il vient dans la salle avec son gâteau. Et il épluche son gâteau. Et il balance les morceaux par terre. Je ne sais pas si vous êtes... Bah, si vous voulez. Voilà. Heureusement que je n'avais pas encore passé l'aspirateur dans cette pièce. Puisque du coup, j'ai perdu toute mon après-midi à faire ce travail inutile que j'ai fait cet après-midi. Donc du coup, j'ai rien fait dans la maison, en fait, de ce que j'avais prévu. Je suis un petit peu déçue parce que je me dis, si j'avais su, j'aurais demandé directement ce midi. Mais voilà, comme on m'a donné la pochette, je pensais qu'il y avait tout dedans, que c'était expliqué. Et c'est en arrivant à la maison que je me suis dit, oh là, mais c'est un travail de titan. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'avais rien compris. Donc voilà, j'ai fait mon boulet pour la journée. Je vais pouvoir enchaîner sur autre chose. Je vais m'occuper des enfants et puis... Et la distribution est sans. Oui, on va aller marcher dans la rue, distribuer nos 2-3 bons. Et puis après, il faut qu'on aille vite fait chez Super U. Oh. Parce que je n'ai plus de beurre et je n'ai pas de pain. Donc, nous allons acheter les deux. Et puis, nous allons revenir pour manger les macros. J'en parle depuis ce matin. Macros. Mais c'est bon, détends-toi. Hein. Donc, voilà. Bon, on va aller se promener. Bon, distribution des bons. On met tout le monde à contribution. La Starlette devant qui se sent plus là. Non, il y en a une, elle est spéciale pour les autres. Ils sont à fond dans la princesse et la grenouille. Allez, Là. Marceau, elle est pour toi. Ouais, il y en a une là-bas et c'est bon, on a fini. Là-bas. Sous la fenêtre. Qu'il a peur d'y aller. On a mis tout le courrier. Voilà, on a un enfant en colère. Arrête ! Non, j'arrêterai pas. Il est puni. Il n'a pas le droit d'aller à la structure parce que, en fait, il est rentré dans le jardin de. Il y a des gens qui ont des murets, mais qui n'ont pas forcément de portail. Et lui, il sent la liberté de rentrer chez les gens. Et j'ai eu beau crier le nom, il m'a regardé avec un grand sourire. Et puis il y a entraîné son frère, dis donc. C'était encore plus drôle. Du coup, il est puni. Donc on revient à la structure, mais pas lui. Mais comment il va venir ? Tu te détends, Adam, parce que ça va mal finir, clairement. Je clôture parce que ce vlog est beaucoup trop long. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup. C'est très courageux de votre part. Je ne vous fais pas les plans de demain parce que je ne vais encore pas les tenir. On en reparlera peut-être demain matin, mais c'est pas sûr. Pour le moment, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci d'être fidèle à la chaîne. Merci de m'être fidèle. Continuez, restez là, soutenez-nous, continuez. Ça nous fait du bien. Merci les amis, gros bisous.